Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'hebdomadaire, les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix, vous choisissez en fonction de vos affinités, de ce qui vous attire. Ok? Je vous présente les cartes pour le premier tirage, pour le premier ensemble de jeux. Nous avons pour le général l'oracle des miroirs recouvert par la triade et pour le sentimental l'oracle bleu recouvert du Lightseer Tarot. Cet ensemble de jeux est représenté par une pierre d'aragonite. Pour l'ensemble de jeux numéro 2, pour le général, nous avons un petit Lenormand. Également, les 77 d'Aliaské pour le général. Et pour le sentimental, nous avons l'Améthyste Love recouvert de l'Universal White Tarot Deck, les amis. Le tout est représenté par la pierre d'Améthyste. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, Team Aragonite, c'est à vous. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à interpréter cette présente lecture en fonction de votre situation et vos circonstances, voir ce qui résonne avec vous. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Alors, on démarre, comme je vous le disais, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette semaine. Semaine du 12 au 18 octobre 2020. Et nous sommes sur le rêveur au diamant, accompagné du prince de feu. Ok, pas mal de dynamisme aujourd'hui, en tout cas pour la semaine, de dynamisme, d'optimisme, d'envie d'agir, d'ébullition, de passion, de désir, de détermination. Avec le rêveur au diamant, c'est simple, l'objectif est clair. Rêver et vous faire plaisir. Être dans une richesse intérieure et extérieure. Sentir que vous avez la capacité de créer ce que vous désirez ici. On est sur la volonté de prospérer, d'arriver à créer un environnement de vie qui vous fait vous sentir vivant, forcément. Mais c'est l'envie de vous surpasser, d'aller au-delà du possible pour certains d'entre vous. Joli. On y va les amis avec l'oracle des miroirs. Semaine du 12 au 18 octobre. L'amour et le miroir magnétique. Vous êtes cette semaine, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, vous êtes dans des énergies presque magiques, j'ai envie de vous dire, parce que c'est placé au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Donc c'est vrai qu'à partir de là, vous pouvez manifester beaucoup, vous attirez à vous. Vous attirez à vous. Plus vous êtes concentré sur une énergie intérieure qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous fait vous donner, qui fait que vous avez confiance en vous, qui fait que vous appréciez la personne que vous êtes, l'histoire que vous avez à raconter ou comme ça. Plus vous êtes dans ces énergies-là, plus autour de vous, vous manifestez de l'entente, de la bienveillance, de la générosité, du partage, de la complicité. Donc ça annonce des rapports riches pour vous cette semaine. Et qui peuvent concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, d'où les énergies de feu et de rêve. Alors, on a le changement, l'échec, le retard, le voyage. Intéressant. L'instabilité, la trahison, le bouclier et l'enfermement. Ici, vous avez clairement un exemple de manifestation qui laisse songeur. Qui laisse vraiment songeur. Parce que vous avez une excellente énergie avec la carte de l'amour et l'évolution possible, vous voyez, de réaliser des projets. On le voit très clairement ici, fécondité, évolution, amour. Donc vous avez ces énergies qui sont là, qui sont latentes autour de vous, qui vous permettent de manifester certains rêves. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes challengé. Et si vous êtes challengé presque par vous-même, parce que dans la vraie vie, votre mental entre en action et de là, il se passe d'autres situations. Pour vous, cette semaine, il faut vous attendre à un changement. À un changement qui peut être positif, mais qui vient vous déstabiliser. C'est-à-dire qu'on vous voit dans une énergie de feu, de dynamisme, d'enthousiasme, et puis tout ne se passe pas exactement comme vous l'avez décidé, comme vous le souhaitez, comme vous auriez aimé pouvoir contrôler une situation. Ici, on sent une forme d'instabilité se manifester lorsqu'il est question de changement, lorsqu'il est question de prendre des décisions, de prendre une autre direction, de prendre un risque, de changer de stratégie.
de changer de travail, lorsqu'il est question d'opérer un mouvement comme ça qui vous permet d'aller de l'avant mais qui vous challenge, ça vient vous déstabiliser au niveau, à certains niveaux. Ici, ça peut être émotionnel, physique, intellectuel. Quoi qu'il en soit, ce changement peut être, comme je vous le disais, positif. Ceci étant, il y a une part de vous qui est amenée tout de suite à pas se braquer, mais faire remonter, dis donc toi, faire remonter des peurs et des craintes. Ces énergies-là vont venir du mental, ces énergies-là vont venir se manifester dans la matière et vont venir ralentir vos projets. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un échec en soi, c'est un voyage que vous avez besoin de faire pour comprendre votre fonctionnement, comprendre vos vibrations, comprendre comment vous pouvez de plus en plus manifester vos rêves et être dans cette énergie d'amour. Comprendre comment le mental opère sur vous, donc tout votre schéma de pensée, de réflexion comme ça. Ce qui ressort chez vous cette semaine, c'est la peur de la trahison et la peur de l'échec. Et de ça, vous vous protégez beaucoup, ok ? Donc on voit que vous pouvez éventuellement vous méfier ou prendre du recul, de la distance par rapport à des personnes autour de vous dont vous vous méfiez. Ça arrive qu'on soit sur une corde fragile comme ça, entouré de personnes et on doute. On ne sait plus trop, ça fait partie des aléas. Ceci étant, il est question pour certains d'entre vous de faire ralentir un projet. Peut-être avez-vous besoin d'y voir plus clair, peut-être avez-vous besoin d'un temps de repos pour vous aérer, pour avoir une plus grande vision de votre projet, de là où vous voulez aller, de qui vous avez besoin de vous entourer. Ici, ce qu'on note, c'est votre besoin vers la mi-semaine, fin de semaine, de vous éloigner un petit peu de votre environnement habituel pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour prendre de la hauteur sur certaines situations et voir comment vous pouvez avancer à partir de là. Clairement, on voit une envie de changement de votre part. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un retard au niveau de papier pour un voyage, pour un déplacement, pour un déménagement, pour un travail à l'étranger, pour des déplacements professionnels ou comme ça. Il y aura une solution probablement possible, mais cette semaine, vous serez challengé. Vous serez pas mal challengé. Au niveau de déplacement, vous pourriez être bloqué, vous pourriez être amené à devoir rester un certain temps chez vous ou quelque chose comme ça. Ceci étant, ce temps peut être tout à fait profitable avec le voyage pour vous inspirer, pour observer, faire des recherches, lire, orienter votre centre d'intérêt sur de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs ici. Vous nourrir l'âme en fait. Si vous êtes bloqué chez vous comme ça, vous avez la possibilité par exemple avec internet de poursuivre un voyage et de vous intéresser à plein de domaines de vie sans nécessairement avoir besoin de bouger de chez vous. Mais il y a l'envie de chercher ou de donner du sens à la direction que vous prenez dans votre vie. Comme si vous aviez envie de ralentir un instant pour faire un point, un bilan. On va voir avec la triade ce que ça nous dit. Tentation, richesse. Il y a l'envie de réussir, mais quel est le prix de la réussite en fait? Sur le changement, on a l'énergie. Il faut que je remonte les cartes, vous n'allez pas voir sinon. Ouais, c'est bon. Alors sur le changement, on a l'énergie. Donc il y a bien une énergie de mouvement. Hein. De mouvement pour certains d'entre vous. On a à nouveau la carte du voyage sur l'échec. Le retard, il y a un sacrifice. Et le voyage, il y a l'isolement. Donc, c'est intéressant. Ouais. Des changements inattendus, c'est de manière momentanée. Ça va mettre en suspens ici certains projets. Ça va vous permettre de vous poser des questions, de bonnes questions ici. C'est toujours recentré sur vous. Il y a l'envie pour certains d'entre vous de vous... de transformer la donne en fait. De changer la donne. J'en vois certains qui sont prêts à faire des choix, une forme de sacrifice dans votre incarnation, lors de votre voyage, votre vie, quoi. Il y a une énergie à l'intérieur de vous qui se manifeste, qui vient un peu vous chambouler, qui vous fait prendre de la hauteur sur certaines situations et qui vous montre en fait une direction éventuelle pour vous. Seulement cette direction, elle a presque un prix. Le prix, c'est faire des choix qui font que votre vie ne sera plus jamais la même. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'arrêter de se sacrifier pour les autres et d'arriver à construire un chemin de vie qui vous fait du bien à vous.
vous montre votre direction, vous enracine, vous permet d'évoluer, vous permet de construire ici un réseau, un environnement riche. Ceci étant, on se demande le poids de l'influence des personnes qui vous entourent ici. Parce qu'il y a un vrai doute sur votre entourage, sur les personnes qui vous entourent. Est-ce que ce sont des personnes viables ou est-ce que ce sont des personnes qui profitent? Donc, on voit quelque chose qui a pris du retard quand même, hein, et qui pourrait transformer la donne par rapport à des projets. Faire que vos projets prennent une toute autre direction ici. Au niveau de cette notion d'échec et de peur de la trahison, comme ça, le temps vous dira. Le temps vous dira, c'est en challengeant, entre guillemets, vos adversaires, les personnes de qui vous vous méfiez, que vous verrez s'ils sont viables ou pas vis-à-vis de vous. Pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de retrouver vos valeurs, d'agir en fonction de vos valeurs, de refaire un petit point comme ça sur là où vous en êtes dans votre vie, ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous êtes, vous correspond en fait. Il y a besoin de réaliser. Oui, si vous voulez, vous pouvez réaliser quelque chose. Il y a besoin de réaligner vos énergies entre l'émotionnel et le mental ici. On voit chacun d'entre vous qui peuvent avoir une déception ici par rapport à des rapports. Est-ce qu'ils sont vraiment mutuels? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'il y a toujours de la complicité dans les personnes qui vous entourent ici? Pour d'autres, j'ai une forme d'inquiétude par rapport à des membres de votre famille qui se trouvent outre-mer, qui se trouvent loin de vous. Il peut y avoir des inquiétudes comme ça par rapport à la famille. Des discussions qui reviennent sur la table. C'est vraiment autour de votre histoire de famille cette semaine. C'est autour de votre histoire de famille, du sens que vous donnez à votre vie, de la direction que vous prenez. On voit cette envie de... Vraiment, c'est quelle route je prends, où j'en suis. C'est petit bilan pour vous cette semaine. Il y a cette envie d'être tranquille, d'avoir la paix, de pouvoir vous réaliser sans avoir le sentiment de devoir vous sacrifier en permanence. De trouver cette notion d'égoïsme sain. Et avec la clairvoyance, vous avez cette capacité de voir quand les énergies autour de vous cherchent à vous pomper votre énergie ou si c'est équilibré en fait. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur le tirage de la semaine. Quoi d'autre? Un choix possible qui vient, comme je vous le disais, changer la donne, une toute autre direction de vie ici. Ouais, c'est ce que je pensais. À l'issue de ce tirage, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement, ça vous permet d'avancer. Toute la réflexion que vous avez cette semaine va vous permettre d'avoir des dialogues francs, honnêtes, et de défendre vos idées et d'aller vers de nouvelles opportunités. Il y a pour certains d'entre vous le besoin de convaincre votre entourage pour débloquer une situation, pour arriver à trouver une issue favorable à une situation et poursuivre votre voyage, si vous voulez. Il y a l'idée de trouver des solutions par rapport à une situation qui est bloquée. Ok, intéressant. Parce que vous avez quand même l'envie de manifester une réussite et de l'abondance. Mais on voit que vous êtes assez... D'une manière, vous êtes fédérateur, c'est-à-dire que vous allez avoir des actions ici au bout du compte pour arriver à trouver des accords, à faire en sorte que tout le monde s'entende. Mais c'est vrai que durant toute la semaine, on voit plus une période de réflexion, d'intériorisation et d'envie de faire le point par vous-même, vous voyez. Alors, on y va sur les amours pour vous. Amour, semaine du 18, au 18 octobre. On démarre avec l'oracle bleu que je recouvrirai ensuite. Là, il y en a trop. Et là, il tire tarot. On a le pouvoir et l'initié. Ok, vous êtes vraiment dans une énergie ici où vous vous sentez charismatique, attirant et tout ça.
Ouf, l'amour, la montagne et l'enfant. Alors, en challenge, vous avez la stérilité, en force, la santé et l'issue, l'indécision. Et si on voit que vous faites évoluer votre situation sentimentale, on voit des blocages ici en amour. On voit des personnes qui s'aiment profondément, mais qui se retrouvent un petit peu dans une impasse. Alors ça peut être concernant des projets, des choix à faire en commun, éventuellement dans votre vie de couple, hein. On voit l'envie de faire bouger quelque chose dans votre histoire, avec beaucoup d'espoir que cette situation, que cette relation aboutisse à quelque chose de sain, d'épanouissant. Ouais. Il y a des blocages, il y a des indécisions, des incertitudes, vous êtes challengé, vous êtes vraiment challengé parce qu'il y a cette volonté d'être dans une énergie, une relation saine, ok? L'envie de construire des projets, de développer un amour naissant, mais quelque chose bloque là chez vous cette semaine. L'idée, c'est de prendre conscience qu'en challenge, vous avez la stérilité. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, ça peut être une première lecture de la difficulté de concevoir un enfant. Et de ne plus savoir comment vous y prendre. Pour d'autres, ça peut être plus large en fait. Ça peut être vraiment vos craintes, vos peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre relation, qui vous mettent dans le doute, qui font que vous ne savez plus trop dans quoi investir par rapport à cette relation. Pourtant, l'amour est là, hein. J'ai hâte de recouvrir parce que en soi, y a de bonnes réflexions. La relation est saine. Ça encarte de force. Mais comme si quelque chose vous empêchait de vivre pleinement cet amour, cette relation, et ça part d'une forme d'indécision. On va aller recouvrir, on va avoir un complément d'information. L'amour. On voit que pour certains, il y a la difficulté de pas de s'engager, mais c'est plus la peur de l'attachement, la peur d'être vulnérable, la peur de sentir une personne. Il y a une différence en fait entre aimer et partager sa vie avec quelqu'un et faire votre vie, que votre autre fasse sa vie et on s'entend bien et on a plaisir à partager nos vies, nos expériences de vie ou comme ça. Et cette notion d'être dans un amour d'attachement qui fait que vous avez l'impression de vous perdre un petit peu, ou en tout cas perdre du pouvoir sur votre vie. C'est juste une perception en fait. C'est plus une question de perception que de... C'est vous qui créez cette réalité. C'est vous qui décidez de comment vous définissez cette relation. Parce que de l'amour, il y en a. Ok? Vous avez ici une personne. Très étrange, une personne qui a le cœur en paix, qui est charismatique, passionnée, éventuellement artistique, quelqu'un qui sait gérer sa vie, qui arrive à communiquer, qui communique avec vous cette semaine. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais elle a peut-être une difficulté à se mettre en action. Parler, oui, les mots sont là, mais au niveau des actions, on a un roi de bâton retourné. Donc, est-ce que cette personne pose des actes à hauteur de ce dans quoi elle s'engage? C'est à voir. J'ai déjà l'envers. On a le jugement, le diable et l'empereur. Ok. Comme je vous le disais, c'est une question de perception ici. On a une délicatesse au niveau de la perception parce qu'elle est entourée de cartes qui dominent. Il y a une forme de libération, de perception, de prise de hauteur en fait par rapport à cette notion de domination, de lutte de pouvoir dans une relation. L'idée c'est pas que l'un domine plus que l'autre. L'idée c'est pas que l'un cherche à diriger plus que l'autre.
L'idée, c'est pas que l'un impose ses choix de vie ou ses volontés à l'autre. Et là, je sens une énergie où presque ça bloque. Vous sentez quelqu'un qui cherche de plus en plus à n'en faire qu'à sa tête, à être dans son monde et à vouloir que la relation se passe exactement comme elle l'a décidé. Et si ça va pas dans son sens, une personne qui se braque, qui se referme, qui ne dit plus rien. Et vous, ce que ça vous laisse comme sentiment, c'est l'envie de presque vous libérer de ça, en fait, que c'est toxique, que vous étouffez dedans et que vous cherchez une relation saine. Et là, vous butez sur le fait qu'une personne n'en fasse qu'à sa tête. Sur l'enfant, on a le valet de denier, l'as de coupe et le 5 d'épée. Il y a bien l'envie de nouveaux projets. Ça peut être à nouveau avec le valet de denier, ça peut être concernant des enfants, la difficulté à concevoir un enfant. Pour d'autres, c'est vraiment un projet naissant. Il y a une énergie formidable qui est l'as de coupe là-dedans. Donc, ce n'est pas un problème de cœur, ce n'est pas du tout un problème d'amour ici. Avec le valet de denier aussi, on voit une entente entre vous. On voit le fait que il y a une curiosité, l'envie de vivre, de découverte, vous voyez, cette énergie jeune qui vous porte vers l'avenir, qui vous donne envie de construire quelque chose. Mais tout ceci est entouré de cette énergie de ça ne fonctionnera pas. Le 5 d'épée, c'est un petit peu le fait de tenter, de faire de votre mieux, mais dès les premiers obstacles, dès les premières montagnes, comme ça devient tout de suite très compliqué, difficile à gérer. On se prend beaucoup la tête. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous aimez, vous aimez, vous aimez, c'est le début de la relation. Et quand viennent les premiers moments où vous recevez des signaux de danger par rapport au comportement de votre autre, c'est comme si tout votre passé refaisait surface comme ça. Et tout d'un coup, il y a une extrapolation de la situation où votre mental vous dit c'est fini, c'est complètement fini, ça ne fonctionnera pas ou comme ça. Vous savez, quand vous recevez ces messages-là qui vous prennent la tête, qui ne sortent pas de votre être et qui vous mettent dans le doute, et alors que tout allait si bien il y a une semaine, il y a 2 semaines ou comme ça. Et ce qui se passe, c'est que le 5 d'épée ici, c'est presque un leurre. C'est un cap à surmonter, à dépasser. À vous de voir si vous en êtes capable, si vous arrivez à lâcher un petit peu de lest sur le mental pour en venir à l'énergie essentielle du cœur. Au niveau de la stérilité, on peut voir une femme hein, qui a de la difficulté à enfanter et qui a envie, si vous voulez, cette épée. On est sur de l'épée, ça peut être tenter des conceptions par assistance médicale. Et le fait d'avoir envie d'interrompre ce processus-là pour s'abandonner à la vie, au destin et voir ce que la vie réservera de manière naturelle ici. Pour d'autres, on a une énergie féminine qui a de la difficulté à lâcher prise sur sa relation sentimentale parce que la peur de la trahison, parce que la peur de produire un schéma qui fait que cette personne sera dans la fuite en fait de la relation et que je vous disais, c'est des énergies que vous ressentez cette semaine. On voit que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à être dans une forme de crainte, de peur. Donc, l'idée ici, c'est que votre bouclier, votre arme ici, c'est de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vos affaires. Et en même temps, de l'autre, ça fait clairement ressurgir soit votre. Du fait de vos craintes, de vos peurs qu'on a vues sur le 5 d'épée ici, c'est votre envie inconsciente de fuir en fait la relation, de démarrer quelque chose d'autre. Ou bien tout simplement d'arriver à surmonter cet état psychique, mental qui vous empêche de vous sentir pleinement épanoui dans une relation. Au niveau de la santé. Il y a vraiment cette volonté de votre part de surmonter ces énergies de diable et d'empereur qui nous montrent un mental qui domine. Trop de réflexion, trop de pensée ici. Votre force, ça va être, et vous avez raison, de prendre soin de vous en fait. Avec un 9 de denier, c'est de
vous concentrer sur votre construction de vie, sur vos projets. Et avec la roue de fortune, c'est vraiment de croire en votre bonne étoile, de savoir que tout est possible dans la vie, que ce qui est sain, ce qui est bon pour vous, se manifestera de manière presque magique ici. Mais le truc aussi, c'est votre envie de passer un cap dans votre vie pour être sur un équilibre qui fait que vous ne vous laissez plus dominer par vos peurs, par vos craintes. Certains peuvent se faire du souci par rapport à leur situation globale, financière, matérielle, professionnelle. Et ont peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Et cette inquiétude-là crée des blocages pour lancer des projets dans votre vie sentimentale. La peur de ne pas savoir ce que sera demain, de quoi vous allez vivre. Est-ce que vous allez être indépendant, faire suffisamment d'argent? Est-ce que vous allez monter votre entreprise? Toutes ces questions-là, en fait. Ça va être bon, ça va être sain ici de retrouver confiance en vous et de faire ce travail sur vos indécisions. C'est assez intéressant hein, parce que clairement, je vous le disais, la première énergie sur l'amour, c'est un 4 d'épée. Donc vous avez ici une relation qui, d'un côté, guérit et apaise le cœur dans un premier temps. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, qui communique beaucoup, mais qui n'agit pas. Et vous, votre indécision, c'est mince. S'il n'y a rien de concret, où on va vers une fin. L'indécision avec un 3 d'épée, c'est vraiment la peur d'être blessé, la peur d'une rupture. Et je pense que ce qui vous fait le plus peur, c'est de vous en arriver là. Vous prendre cette décision de vous libérer d'une relation. Pourquoi? Parce que vous avez un 9 de bâton retourné. Ce qui signifie que là, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de construire un mur, de vous enfermer dans une relation, de vous enfermer dans un cadre ici, où vous vous dites, si je reste là-dedans, je vais souffrir en fait. Si je reste là-dedans, ça va être... Je vais perdre toute mon énergie, je vais perdre toute ma vitalité, je vais perdre tout mon charisme, tout mon aura, toutes mes envies, toutes mes passions. Il y a vraiment ce sentiment de peur d'aimer, quoi, de peur d'être en couple. Donnez-vous du temps parce qu'avec un as d'épée, vous allez pouvoir y voir plus clair et prendre des décisions vraiment de manière sereine, avec un esprit clair. Il y a une invitation à ne pas être dans l'impulsivité cette semaine parce qu'elle pourrait être relativement fatale de par votre état d'esprit. Presque, j'aurais aimé faire un tirage pour l'autre, là, pour essayer de comprendre pourquoi on en arrive à ce stade-là. Alors, quatre conseils de l'univers pour vous sur ce tirage. Vous avez l'inspiration, la terre et l'évolution. Ok. Et l'espoir. Laissez-vous porter par vos espoirs. Laissez-vous porter par votre imagination, tout ce qui vous inspire dans la vie, il y a besoin de se reconnecter à vous-même, à vos énergies de terre, à être pragmatique, à être ancré dans la matière, à faire en sorte que vous soyez dans une énergie qui vous renvoie l'image de richesse, de prospérité, d'évolution positive, vous voyez. Je vais en retirer une sur la terre. Parce qu'on voit ici que vous pouvez faire évoluer la relation en étant imaginatif, en ouvrant une porte à la créativité ici. En fait, il y a besoin aussi d'avoir des moments inspirants, je pense, pour vous cette semaine. Ouais. C'est d'arriver par la pensée, par l'imagination, l'intuition, la créativité à créer un engouement. Vous voyez, on avait l'enfant, on avait les projets là dans votre ligne principale. Et l'idée, c'est comment, avant que tout ça se manifeste, comment, quelle pierre vous allez poser à l'édifice, comment vous allez pouvoir petit à petit construire, solidifier tout ça. Il y a des projets très matériels, financiers, des choses à mettre à plat, un petit peu comme ça, et aussi au niveau des réflexions. Il y a l'envie de faire naître un projet ici, clairement, de faire bouger des choses, mais on voit que vous gardez beaucoup de choses pour vous finalement. Je pense tout simplement que vous retrouvez une énergie presque
de défense, c'est presque primitif, c'est presque instinctif de votre part. La peur que tout s'effondre, que tout s'écroule, vous voyez. Ouais. Je pense que certains ont vraiment envie d'un changement. Mais c'est à vous de faire le premier pas de ce changement-là, ok? Il y a cette notion de inspiration et sacrifice, c'est clairement, c'est recentrer les énergies sur vous, reprendre plus d'action vis-à-vis de votre vie pour ne pas vous sentir dans le sacrifice dans votre relation sentimentale ici. Et comme je vous le disais précédemment, c'est d'arriver par rapport à ce qui est un petit peu primitif, enfin instinctif en nous tous, hein, d'arriver à en avoir conscience, d'arriver à reconnaître les situations où le mental prend le dessus comme ça et nous ramène à tout ce qui est un petit peu basique. Quand je dis basique, c'est vraiment les relations... comment je vous explique ça? Pas très, enfin, l'idée, c'est voilà, l'envie d'évoluer, de ne pas être dans un rapport uniquement sexuel ou uniquement... Il y a besoin d'inspiration, il y a besoin de partager des activités, il y a besoin d'avoir des réflexions communes, vous voyez. L'idée ici, c'est de... Je pense que vous avez une personne ou c'est vous-même ici qui prenez conscience, en fait, des instincts primaires, qui prenez conscience d'une forme de... Ben, c'est la carte du diable, hein, c'est de la tentation, c'est tout ce qui est primitif, tout ce qui est sexuel, infidélité, passion, débordement, des énergies comme ça qui peuvent vous faire douter, qui peuvent vous donner l'impression que l'autre est en voie de vous trahir, mais c'est par rapport à l'état d'esprit. Forcément, si vous pensez ça, ça va manifester ça. Forcément, si vous êtes focalisé sur le fait qu'une personne va vous tromper, va mal agir ou comme ça, elle finira par le faire parce que c'est ce que vous manifestez. C'est comme si vous recherchez une information, bah, à force de chercher, à un moment donné, vous allez la trouver. Bah, c'est le même fonctionnement ici. Et il n'y a que vous qui pouvez transformer ces énergies pour vous libérer l'esprit de ces craintes, de ces peurs et évoluer de manière plus sereine. Mais c'est, comme on l'a vu sur le général, ce besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, de faire le point en fait sur cet état de situation. C'est un cap à passer en fait, pour aller vers quelque chose de durable. Là, on voit que ce sont un petit peu des prémices d'une relation qui est encore jeune. On va voir avec les portes de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez l'intuition et la famille. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vraiment besoin d'un temps pour vous, hein, pour recadrer vos idées, pour y voir clair en fait et savoir dans quelle direction vous allez dans votre vie. On voit votre envie de construire quelque chose sur des bases solides, quelque chose qui va perdurer dans le temps, à travers les années. Et il y a ce besoin de faire la paix avec vous-même concernant votre histoire. Dès que vous arrivez à travailler là-dessus, ça va vous permettre une renaissance, de vous libérer ici de ce mental hein, qui fait que vous craignez le pire, que vous faites des films, que vous pouvez parfois être dans un fantasme, une illusion. Et là, il y a ce besoin de reconnecter avec vos énergies ici pour renaître à vous-même et vivre quelque chose de toujours plus riche, toujours plus soudé. Il y a besoin de ressouder des liens ici, avec vos proches, avec votre partenaire de vie ou comme ça, et de faire confiance à votre intuition et vos ressentis pour la suite de votre histoire. Ok ? Donc voilà les amis pour les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci à tous les abonnés et tous ceux qui s'abonnent. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt. On va passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous. On va démarrer pour vous, pour découvrir les énergies de cette semaine, semaine du 12-18 octobre 2020. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre.
Et on démarre pour vous les amis avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette semaine. La prêtresse de l'autel. Vous êtes magicien et magicienne cette semaine. Cool. Qui plus est, vous sortez d'une énergie où vous étiez beaucoup dans le contrôle. Alors ça c'est cool parce que ça va venir vous détendre, vous déstresser et en tout cas focaliser votre attention sur des pensées, sur des ressentis qui sont vibrants, qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Ici, c'est vraiment ce lâcher prise que vous avez par rapport au mental pour vous concentrer sur l'énergie du cœur pour pouvoir manifester des choses. La prêtresse de l'autel est en train de nous préparer un projet. Elle est en train de concocter sa recette de miracle, de réussite, de suivre sa bonne étoile, de réaliser des rêves ici. Donc, on aime, on prend. On va aller voir du côté du petit Lenormand pour voir les énergies de cette semaine pour vous, Team Améthyste. Alors, semaine du 12 au 18 octobre 2020. Alors, on y va. On a l'ours et le chemin. Il est question probablement d'argent pour certains d'entre vous de faire des choix en fonction de vos capacités financières ici. Alors en plein centre, on a le soleil, ce qui est beau. Au-dessus, on a le bouquet. En dessous, on a les serpents. À gauche, on a la faux. À droite, le messager. Dans l'encadrement, on a les montagnes, le vaisseau, la tour et le livre. Ok. Bon. Une évolution à prévoir pour vous cette semaine qui va pouvoir vous libérer d'une situation complètement bloquée. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un coup de pouce du destin qui va pouvoir vous offrir une bouffée d'oxygène, clairement. Clairement, ça peut être à partir de votre propre décision de mettre fin à une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou comme ça. Il y a cette envie de prise de décision. Là, ça ne fonctionne pas, là c'est bloqué, là ça a pris trop de retard, mais il faut avancer d'une manière ou d'une autre ici. Pour se sortir d'une situation qui devient presque venimeuse, toxique. Il y a l'envie de transformation chez vous et aussi cette volonté d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher à comprendre pourquoi ça bloque, de chercher à prendre contact, de chercher à rendre visite à des gens. Et ici, l'idée, c'est... Les deux chats sur la table, ça va être compliqué. Là, je ne vois plus les cartes. Pili, Pichu, viens là. Ouais, ma belle. Hop. On voit un coup de pouce qui arrive pour vous cette semaine. Vous avez avec le bouquet une belle surprise qui pourrait se manifester de manière assez inattendue. Ça peut arriver par courrier, ça peut arriver par la visite, la visite d'une personne. Courrier, visite ou échange téléphonique ou autre. J'ai ici une situation qui va vous sortir d'une forme d'isolement, qui va vous permettre une ascension, qui va vous permettre une promotion éventuellement. Ça peut être une notion de... C'est de l'élévation en fait, la tour. Parfois, c'est d'arriver à avancer sur sa route avec un but précis et d'avancer coûte que coûte. Okay? On vous dit que les messages arrivent en cours de route. Okay? C'est-à-dire qu'une situation qui est bloquée, vous pouvez prendre la décision de faire au mieux pour pouvoir avancer et poser des actions, la prêtresse de l'autel. Et qu'en cours de route, vous allez pouvoir voir des transformations, des challenges, des épopées ou comme ça qui se présentent. Il y a un petit peu de tout qui arrive parce que j'ai la carte du serpent. Donc forcément, il y a une forme de tentation, de prise de position où il va falloir choisir les personnes auprès desquelles vous vous entourez en fait. J'ai du bonheur, de la joie, de la réussite, du triomphe qui s'annonce pour vous cette semaine en plein centre du tirage. Alors, on va aller regarder tout ça de plus près. Alors, ça va avancer, mais ça va avancer lentement et sûrement. Il y a une surprise, ok, qui va vous placer face à un choix qui n'est pas évident à faire, qui peut vous mettre en conflit avec certaines personnes de votre entourage, mais qui a priori semble nécessaire pour sortir d'une situation où c'est complètement bloqué. Et on voit que c'est vraiment des personnes qui butent. C'est des personnes qui n'arrivent pas à passer un cap, qui n'arrivent pas à ouvrir leurs œillères, qui n'arrivent pas à
sortir de leur zone de confort, de ce qu'ils connaissent, d'aller, vous voyez, d'arriver à évoluer. Et pourtant, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du désir. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on est uniquement sur des énergies comme ça de feu, ou est-ce qu'on arrive à les équilibrer? Parce que là, j'ai une question de lien, d'affectif, de personnes qui vous entourent et qu'elle est. J'ai beaucoup de cœur ici. J'ai beaucoup de cœur ici. Certains ont l'impression d'être au pied du mur. Au pied du mur, est-ce qu'on vous pose un ultimatum par rapport à vos fréquentations comme ça? C'est possible par rapport à votre environnement de vie. Ça peut être vous-même hein, qui vous prenez la tête par rapport aux personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est des personnes avec qui vous allez pouvoir évoluer sur du long terme? Est-ce que c'est de l'amitié amoureuse? On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose de pas. Il y a quelque chose à éclaircir ici dans vos rapports. Ok? Entre désir, sincérité et durabilité des rapports. Quelle base? Sur quelle base on est ici? Parce que ça n'a pas l'air très clair. Est-ce qu'il y a un mélange dans vos rapports par rapport au professionnel et personnel? Certains d'entre vous, vous pourriez avoir un ami, une amie ou des proches comme ça, un couple d'amis qui vous propose une solution cette semaine. Vous pourriez être amené à communiquer ici, entouré de personnes de confiance pour exprimer vos blocages, pour exprimer ce qui bute chez vous et pour vous aider à trouver une solution pour sortir de ce truc. Et je pense que c'est vous, hein. Je pense que ça, ouais, c'est exactement ça. C'est vous qui butez sur un truc, sur un état de pensée en fait. Et l'envie de construire quelque chose de solide qui se manifeste de votre côté, mais ce besoin de vous défaire de votre vieille peau, c'est-à-dire c'est votre mental, c'est clairement votre mental qui cherche à saboter le truc en fait. Ça peut être. Bon, on va poursuivre sur la tour. Ouais. Vous vous demandez comment vous allez évoluer là. Clairement, vous avez des opportunités dans la vie. De votre côté, je vois des choses qui sont assez riches qui arrivent, si vous voulez, une forme d'abondance, de prospérité. Pour vous, c'est presque garanti. Mais le dilemme, ça va être de communier en fait avec toutes vos énergies ici. On voit que vous cherchez à opérer un changement, clairement. Vous cherchez à avancer dans votre vie. Ça, c'est. Vous cherchez à vous élever, vous cherchez à construire quelque chose de solide, mais l'aventure n'est pas finie pour vous. Ce que je ressens, c'est pour certains d'entre vous la peur de poser vos bagages, la peur de vous installer, parce qu'il y a ce sentiment que le voyage n'est pas terminé pour vous. Vous n'êtes pas arrivé à destination. Et pourtant, vous êtes challengé ici. Parce que je pense que certains d'entre vous se retrouvent quand même dans un environnement relativement épanouissant, mais sentent au plus profond d'eux-mêmes que. C'est pas l'aboutissement final, c'est pas votre destination finale, que votre route se poursuit, qu'il y a d'autres personnes à rencontrer ou comme ça. Et aussi, il y a ce sentiment de. Ouais. Ouf. Je pense, je vous vois ici dans un environnement de vie qui parfois vous rend heureuse, ok, mais je vous vois l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être vous n'aimez pas le lieu de vie où vous habitez ou l'activité que vous faites. Par rapport aux engagements que vous avez pris ici, vous avez envie de davantage de rayonnement. Il y a quelque chose qui vous rend triste cette semaine par rapport aux engagements dans lesquels vous êtes actuellement. Et vous avez un entourage qui va vous aider si vous arrivez à vous ouvrir et à faire en sorte de voir vos amis ici pour parler parce qu'il y a besoin d'ouvrir la parole. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport aux engagements que vous prenez dans la vie ou le fait que vous soyez en attente d'engagement. Que quelqu'un vous contacte pour vous proposer un engagement ici. Donc à vous de voir si c'est professionnel, personnel ou comme ça. Mais on voit qu'il y a une forme de tristesse à l'intérieur de vous du fait qu'on vous avez pas, vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Et je pense qu'avec cette impression-là, le fait qu'on ne vous dise pas tout comme ça crée ça crée le serpent chez vous. Ça crée énormément d'inquiétude et ça a ce côté un petit peu toxique qui crée comme ça une forme de souffrance.
Faites-vous confiance parce que vous avez des cartes de guet, des cartes enjouées qui annoncent de la réussite, mais vous avez besoin de vous rassurer vous-même en fait sur vos craintes et vos peurs, de retirer un fardeau que vous portez depuis bien des années et de vous faire du bien. Ok? Ouais, c'est ce que je vois avec le petit Lenormand. Je vais passer au 77. Certains avancent tellement de manière indépendante dans leur vie, n'ont tellement pas besoin presque de l'environnement de la société ou comme ça, qu'ils se retrouvent de plus en plus seuls à travailler de leur côté et tout ça. Et du coup, il y a ce besoin de se ressourcer, de revoir des amis ou comme ça pour faire le point sur votre situation. Alors, les 77 d'Aliaski. On a le labyrinthe, sans grande surprise, et le H. On peut ici avoir un homme qui se trouve pris dans, entre guillemets, un cercle vicieux. C'est pas tant à l'extérieur, c'est à l'intérieur de lui-même. Quand je dis un homme, c'est une énergie masculine. Il y a une recherche de bien-être et d'harmonie dans sa vie. Mais il y a une tendance à prendre une direction où, à chaque fois qu'on essaye quelque chose, on a l'impression de buter, de mal faire. De ne pas être dans ce bien-être qu'on recherche. Okay? On a la naissance, l'argent, l'amour sacré, la construction positive. On a le manque, le temps, l'élévation, la prison, les discussions, les communications et le savoir. Okay. Bon, clairement, ici, il y a l'envie de lancer des projets. Alors ça, c'est très vibrant chez vous, c'est très constructif, c'est très positif en soi. C'est une énergie qui vous porte. C'est presque votre avenir est assuré ici. Il n'y a pas de souci par rapport au projet que vous avez lancé. Maintenant, il y a autre chose qui vient en compte. C'est... Ça va concerner une énergie d'argent, de financier, de matériel. Il y a la peur de... Soit vous êtes sur un seul projet professionnel, une seule source de revenus et ça vous inquiète. Ça vous inquiète d'être dans une forme de dépendance par rapport à un seul revenu et que vous cherchez à créer d'autres revenus pour éviter un état de manque, pour éviter d'être... par exemple, c'est comme si vous étiez indépendant et que vous n'aviez qu'un seul client. Ben, du coup, si ce client vous plante, vous vous retrouvez sans rien, vous voyez. Donc on voit certains d'entre vous qui ont développé ici une activité. C'est en ascension, c'est en période de croissance comme ça, et il y a l'inquiétude de quand ça va retomber en période de croisière, vous voyez. Donc l'idée ici, c'est de ne pas vous sentir prisonnier de l'argent de votre activité et d'arriver à trouver un nouveau réseau de nouvelles idées, à partager quelque chose ici qui va pour vous permettre de bah déjà d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir une nouvelle connaissance, de vous lancer dans une nouvelle activité ou comme ça. Mais l'idée, c'est d'être rassuré sur vos finances, de vous dire que, en fait, c'est d'être dans une énergie comme ça où quoi que vous fassiez, vous êtes en confiance que y a, l'amour est là, l'abondance est là, la réussite est là, vous voyez, et de sortir d'énergie comme ça, d'inquiétude, de peur du manque, de peur de rejet, du peur qu'on vous trahisse, que les gens soient faux autour de vous, parce que cet état-là vous emprisonne dans davantage d'énergie comme ça, alors que toutes les énergies autour sont plutôt productives et constructives. Le seul truc, c'est qu'il y a une question de temps. Donc, on va aller regarder au niveau du temps ce que ça nous dit. Ici, on peut voir des projets qui sont en rapport avec des activités, des métiers qui sortent du cadre de vie métro-boulot-dodo. En gros, c'est ça. Et l'idée, c'est pour certains d'entre vous d'arriver à vous lancer dans ce type d'activité sans avoir le sentiment de... Voilà, j'ai une idée préconçue ici. Par exemple, la vie d'artiste, c'est une vie de misérable, c'est une vie de pauvre. Vous voyez, ça, c'est une idée préconçue. Il faut arriver à s'ouvrir les œillères ici, à entendre ce qui est bon et juste pour vous, parce que vous êtes inspiré. Avec la carte de l'artistique et de la lune, il n'y a pas plus inspiré et créatif que vous ici. Okay? Donc, c'est juste l'idée de... ça ne rapporte pas d'argent, ça, on n'en fera rien. C'est une question de...
de temps ici. Laissez-vous du temps. Certains cherchent à avoir des résultats immédiats par rapport à un projet qu'ils ont lancé, un projet récent. Hein. C'est vraiment ça a moins de quelques années ça. Et on veut la réussite sur ce projet définitivement, mais il y a un truc dans lequel vous vous sentez enfermé. Pourquoi? 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 Ok. J'ai une forme d'addiction ici en fait. J'ai une forme d'addiction. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Okay. J'ai le côté sombre ici qui ressort. Il n'y a rien de négatif à ça. La vie est faite d'ombre et de lumière. Vous voyez, la vie est faite d'obscurité et d'éclaircie. Est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que vous êtes vraiment vrai avec vous-même? Pourquoi? Parce que j'ai des personnes ici. Les cartes me disent que finalement, vous, pour certains d'entre vous, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, obligé de, à cause de l'argent. Vous vous dites que si vous ne faites pas ça, vous ne gagnerez pas d'argent, que ça, c'est votre manière de gagner de l'argent. Et il y a une forme d'addiction à ça, c'est concernant votre croyance. C'est clairement aussi une activité qui peut vous plonger dans des habitudes de vie qui deviennent toxiques, des addictions ou comme ça. Avoir, parce qu'il y a l'envie pour certains d'entre vous de rompre en fait avec le silence, le fait de taire, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes, que vous avez l'impression de prendre une mauvaise route ou comme ça. Il y a ce besoin pour certains d'entre vous de parler. Je vois certains d'entre vous qui ont des discussions secrètes, qui échangent avec des personnes de manière secrète, qui font en sorte qu'autour de vous, on ne sache pas que vous avez ces discussions-là. On peut vous voir parler ici de votre vie sentimentale et des engagements que vous voulez prendre ou pas dans votre vie. Il peut y avoir une remise en question ici par rapport à des engagements que vous avez pris ou que vous êtes sur le point de prendre. Et vous avez la connaissance. On a l'impression que vous voulez révéler quelque chose ici. Soit vous voulez révéler que vous voulez rompre avec un engagement que vous avez pris, rompre avec une personne, rompre avec une activité ou comme ça. Pourtant, dès le départ, on avait une énergie qui semblait très forte au niveau de l'amour, de la passion, comme ça. Rassurez-vous, au niveau de l'issue de ce que vous allez apprendre, ça nous invite à ouvrir une porte, à aller dans une direction très positive, où l'engagement se concrétise. Donc, je pense qu'il est plus question de discussion cachée concernant un engagement, ou discrète, disons, pas nécessairement cachée, mais discrète. Concernant peut-être des métiers concernant l'artistique ou des métiers concernant l'argent, les banques ou comme ça. Quelle que soit la situation ici, l'artistique parce que j'ai les masques et des cartes musicales, donc c'est beaucoup les arts. Il y a une ouverture, il y a des réjouissances, il y a une signature de contrat ici qui est à venir, un engagement qui est à venir, qui va être pris. On peut avoir des invitations, des pots de célébration, des dîners au restaurant ou comme ça, mais on voit quelque chose qui est sur le point d'être célébré ici. Ok? Je pense que vous avez besoin d'être rassuré ici par rapport à un entourage où vous avez l'impression que les gens sont très discrets ou ne disent pas tout ou comme ça, et ça crée le doute chez vous. Ça crée beaucoup de doute alors que vous êtes dans d'excellentes énergies concernant votre propre vie. Bien! Bien les amis, je vais passer au tirage sentimental. Avec l'Amethyst Love. Les chats sont tout calmes, ils sont juste à côté. Alors l'Amethyst Love, que vont nous raconter les amours cette semaine? Pour vous, l'homme... Et l'amour véritable. Je vous ai dit, il y a un truc avec une énergie masculine ici. Alors, on a la lune, les masques, la tromperie et le secret. En challenge, on a le doute et en force, la ruse. L'issue, l'amour éphémère. Ok. C'est pas évident ici à interpréter. Pas que la lecture soit compliquée, c'est le message qui n'est pas évident à délivrer.
J'ai un homme qui parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, qui, d'après son intuition, ses ressentis, éprouve beaucoup d'amour. Ce qui est très joli. Par contre, ce qui vient ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète totale. J'ai des choses qui sont cachées, j'ai. On ne sait plus en fait. Là, on ne sait vraiment plus où on en est. Et on a l'impression que cet amour qui semblait véritable n'est qu'une façade, un amour éphémère, un flirt qui ne va pas être amené à durer ici. Je vois dans une situation où vous faites de votre mieux pour ne pas être trop dans la méfiance, dans le doute ou comme ça. Mais là, au vu des cartes, ça va être compliqué de faire autrement. Parce qu'on a à nouveau cette situation où vous avez clairement le sentiment que d'être trompé, en fait, que quelqu'un cache des choses, cache des choses. Je pense qu'il y a un comportement, une attitude ici qui vous laisse présager qu'une personne joue, qu'une personne n'est pas vraiment prête à être pleinement dans votre relation. Ça nous parle quand même de tromperie, de vie double, de méfiance, de qui porte un masque, de doute, de malhonnêteté. On n'a vraiment pas des cartes évidentes là sur ce tirage-là. Et d'amour éphémère. Donc il y a vraiment le doute. Je ne sais pas si c'est vous qui portez le doute sur quelqu'un ou si quelqu'un porte le doute sur vous. Mais on va essayer d'avoir un complément d'information. On est mal barré, les amis. On est très très mal là. On va essayer de se sortir de tout ça. Ouais. J'ai une personne qui, en étant à l'écoute de son intuition, a planté des graines, vous voyez, mais qui, depuis, prend son temps, prend beaucoup beaucoup de temps, prend que ça. Vous met en attente en fait. C'est comme si la construction là paraissait. J'ai une personne qui a besoin de temps, qui réfléchit beaucoup, qui cherche à avoir une vie équilibrée, une vie où on ne se prend pas la tête et une vie où financièrement on avance tranquillement sans se presser. Au niveau des masques, on a la justice, la reine d'épée, le 7 de coupe. Est-ce que cette personne veut s'engager avec vous ou est-ce qu'elle pense à fréquenter d'autres personnes? Telle est la question. J'ai la reine d'épée. Je vous sens fermer votre cœur. Je vous sens vous éloigner de votre cœur, entrer dans une forme de froideur ici, pour être face aux faits, à la réalité d'une situation. Je peux en voir certains qui sont sur le point de prendre une décision ici. Il y a vraiment cette notion de désillusion, de quelqu'un porte un masque, de quelqu'un a promis quelque chose au niveau des sentiments et derrière, vous voyez, il n'y a pas vraiment les actions de poser. Il y a cette notion de, même vous, éventuellement, vous ne savez pas si avec cette personne-là, il y a quelque chose de vraiment solide et engagé, de possible. Je vous sens vraiment vous éloigner ici d'une personne. Est-ce que cette personne semble, comment je vous dis ça, rêveuse? Enfin, elle n'est pas beaucoup dans l'action en fait. Elle n'est vraiment pas beaucoup dans l'action cette personne-là. C'est comme si elle survolait la relation. Elle ne vous envoie pas d'indice de stabilité, de construction en fait. C'est pas du je m'en foutisme, mais presque. C'est une personne qui se laisse porter, vous voyez. Les amis, on arrive à un moment de tour sur cette lecture. Le moment de tour, c'est. Je pense que vous êtes clairement en train de vous dire, est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je m'en libère? Parce que vous cherchez votre cœur ici. Vous cherchez votre cœur. Vous cherchez à savoir où vibre votre cœur. J'ai une relation jeune, très jeune, mais qui pourrait vite virer dans un schéma de relation où vous vous dites, avant même qu'on ait construit quelque chose de solide, on est déjà dans quelque chose de,
je me méfie, est-ce que cette personne est honnête, est-ce que cette personne est fidèle, est-ce que... Là, j'ai une personne qui, je comprends, hein, votre autre ici, ou bien vous-même, ou bien les deux, être entré dans le mental. Le cœur est mis de côté, le mental a pris le dessus ici, ce qui fait qu'on arrive à un moment de tour. Des prises de tête et le fait de se dire l'amour, c'est bien beau, mais voilà, il n'y a pas les actions en fait sur ce tirage-là. Il n'y a pas du tout d'action. Et le mental qui prend le dessus et qui bouscule cette semaine, qui vous conforte dans l'idée que votre autre vous ment, votre autre voit quelqu'un d'autre, votre autre n'est pas fidèle, votre autre porte un masque, n'est pas sincère. Ça met en péril l'avenir possible ici. Les questions que vous vous posez, ouais, une vraie hésitation. C'est pas évident, hein, mais je vais vous livrer le message, hein, c'est pas grave. Le challenge ici, c'est les opportunités de la vie. Parce que la vie vous offre des opportunités. Et vous avez aussi le choix de vous ouvrir, de communiquer avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du savoir pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider justement à faire face à vos propres démons intérieurs, à surmonter votre état de réflexion qui a tendance à saboter ici. Mais je pense que c'est pas tant du sabotage parce que c'est quand même appuyé sur des faits. Hein. Justice et sept de coupe, ici vous avez des faits, c'est concret. Vous avez de l'argument, c'est illustré. Vous voyez, vous avez des preuves. Vous avez des preuves de ce que vous annoncez. Donc, il peut y avoir une hésitation clairement ici à savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous désirez. Est-ce que cette personne va réellement s'engager? Est-ce que vous allez réellement pouvoir construire quelque chose? Parce que sur le denier, on est sur des énergies très jeunes. Donc au niveau de la construction, on voit tout l'espoir, hein, l'envie que vous aviez de vous poser avec cette personne-là, de vous engager avec cette personne-là. Mais c'est comme si elle s'était mise en pause là. Comme si tout d'un coup, elle ne faisait plus rien. Au niveau de la prudence, ouais. Je pense qu'au niveau de la prudence ici, vous êtes en train de vous demander si cette personne est suffisamment mature. Si cette personne n'est pas en train de... Ouais, je vais pas avoir des mots trop durs. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une personne qui est séduisante ici, qui est charmante, qui est romantique, qui est dans des énergies de couple, donc qui est relativement sensible, qui a un cœur d'enfant limite. Mais le problème, c'est que j'ai une personne qui a trop le cœur d'enfant ici, qui est trop presque, comment on appelle ça, infantiliser les choses. Il y a un rapport à l'enfant et la famille. J'ai une personne qui est attachée beaucoup à... Moi, j'ai compris, quoi. J'ai une personne qui a tendance à vous considérer comme son père ou sa mère, quoi. Ça doit être ça, quoi. Sauf que ici, vous recherchez probablement un partenaire de vie et pas à materner quelqu'un, apprendre à vous occuper de quelqu'un. Il y a une recherche d'équilibre, hein, et de compréhension. Vous avez envie d'aller de l'avant en amour, mais là, il y a un truc concernant un comportement qui survole la relation, mais il n'y a que des... Il n'y a que ce set de coupe, en fait. À chaque fois, c'est des propositions d'amour, mais le truc, c'est que là, je vous vois, vous commencez à vous méfier parce que concrètement, dans la matière, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de faire quelque chose. Mais a priori, c'est pas trop en accord avec cette relation-là. Ça va pas dans la même direction. Pardon, excusez-moi pour le micro, ça a bougé. Amour éphémère, flirt, on a le 9 de coupe, le jugement et le 8 de bâton. Et l'as de bâton. Laissez-vous du temps cette semaine parce que le truc c'est que vous êtes tellement capable de faire votre vie par vous-même et il faut le faire, de toute façon il faut poursuivre cette route-là. Ayez confiance dans vos amours. Moi je vois de la communication, des déplacements possibles, des discussions qui auront lieu de manière honnête où on se dit la vérité, à savoir est-ce qu'on poursuit ensemble ou est-ce qu'on arrête là, est-ce qu'on se donne une seconde chance, parce que la carte du jugement, ça peut être une seconde chance. Ça peut être concernant une personne du passé qui revient à vous en fait, ok? Clairement, vous demandez des excuses et vous demandez une seconde chance. J'ai des cartes en tout cas qui annoncent une transformation, un changement à venir dû à un déplacement ou dû à des communications qui arrivent de loin. L'idée ici, c'est... J'ai pas envie de vivre dans ton passé, j'ai envie de vivre dans le présent et qu'on construise l'avenir, ok? J'ai pas envie de construire sur tes ruines.
L'idée de tempérance, c'est de nettoyer les énergies pour avoir des terres fertiles ici. J'ai une personne qui veut bien, enfin, je vous vois vous qui voulez bien être dans les émotions, mais à condition que tout l'environnement autour soit sain pour construire sur des bases solides. Vous avez l'enthousiasme, la passion, le dynamisme, le feu intérieur. Cette personne, vous l'aimez, c'est pas du tout le problème. De l'amour, il y en a. C'est juste que vous recherchez une relation juste et équilibrée ici. L'idée que cette personne pense uniquement à elle et vous manifeste son amour uniquement parce qu'elle aime elle, c'est-à-dire avoir des attentions à votre égard, mais c'est par exemple, c'est des petites attentions comme quelqu'un va vous faire un cadeau, mais c'est quelque chose que ça va être un cadeau que cette personne aime elle, mais pas nécessairement quelque chose qui vous plaît à vous, vous voyez. Le 9 de coupe, c'est quand on se fait plaisir à soi, en fait. On réalise des choses qui nous font plaisir à soi. Donc, l'idée, c'est est-ce que j'ai une personne qui pense à elle et qui est dans le flirt, dans une relation légère, ou est-ce que ça va vraiment s'engager? Parce que souvenez-vous des 77, il y avait quelque chose de fort quand même à venir, ok? Donc, à vous de voir quel est votre karma, quelle est votre intention du moment, comment vous percevez les choses, parce que vous êtes en pleine transformation qui va amener ce renouveau du jugement. À vous d'avoir les bonnes communications, d'arriver à trouver les mots pour. Ben, ce moment de tour est là, hein, donc je pense que ça risque d'être explosif, mais derrière, on nous parle de la capacité de créer un lien fort entre vous et un amour vraiment réciproque et mutuel. Mais ça demande un renouveau, ça demande éventuellement changer de direction, de nettoyer des karmas, d'anciens schémas passés. Clairement, il y a cette notion de faire comprendre à une personne que vous ne voulez pas construire sur ses ruines, vous voulez construire ailleurs sur des terres neuves. Ok? Donc voilà les amis pour votre tirage sentimental. Je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Au final, il y a de l'amour réciproque. Il y a une transformation à venir pour que l'amour soit pleinement vécu et qu'on s'aime, qu'on s'adore. Ok? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a besoin d'éclaircir la situation. Ok? Donc faites-vous plaisir à ce niveau-là et faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.